vous avez des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. Ça montre bien qu'il y a chez certains une forme d'habitude de la violence qui s'installe. Il faut la combattre avec beaucoup de fermeté. Et je demande à toutes les forces politiques républicaines d'être parfaitement clair sur ce sujet. Vous dites les violences policières n'existent pas. Non, ça n'existe pas. Les policiers et les gendarmes connaissent leur devoir d'exemplarité et de respect de la déontologie. Des casseurs et des militants radicalisés venus chercher l'affrontement et défier nos institutions sont à l'origine des scènes que nous avons vues ces derniers jours, notamment à Sainte-Soline. C'est inacceptable. Rien ne peut justifier la violence. La police et la gendarmerie, vous savez, n'ont rien à cacher. C'est la police et la gendarmerie du peuple. Heureusement que dans la défense de nos institutions, tout au bout de la chaîne, il y a des forces de l'ordre. Ce sont eux qui sont en première ligne et qui sont là pour assurer la protection et la sécurité dans notre pays. Monsieur, arrêtez, je travaille. Non, je travaille, je veux pas être journaliste. C'est plus le maire, attention. Tiens, ramasse les couilles, enculé. Putain, dégage. Allez, relève-toi, gros. Sac à merde. Et on note d'ailleurs plusieurs cas d'agression sexuelle présumée par des policiers depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. C'est un journaliste. Les journalistes sont les bienvenus. Voilà, regardez, au magasin, on ne parle pas de tout, c'est filmé. J'ai fait mon travail, j'ai le droit. On est en France. Et donc vous confirmez que c'est la préfecture qui interdit l'accès, c'est ça en fait? Non, c'est pas la préfecture qui interdit l'accès, je vous dis que c'est le commandement sur place. Et vous ne lui parlez pas comme ça. Ne parlez pas de répression ou de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital.